Nous allons poursuivre l'assemblage des composants standards dans Onshape pour notre presse à levier. Nous avons déjà réalisé la mise en place des composants standards pour la classe d'équivalence 1. Donc on avait mis en place des vis CHC, vis fraisées, écrou rondelle, vis hexagonale creuse. Il nous restait à mettre des rondelles et des goupilles fondues. Donc on va s'intéresser à la classe équivalence 2. Donc nous allons revenir sur Onshape. On considère que vous vous êtes connecté. Vous allez réouvrir le fichier presse à levier que vous avez précédemment réalisé. Alors vous pouvez constater que dans ce fichier, j'ai fait un petit peu de ménage. J'ai créé, vous souvenez, des dossiers. Donc là, j'en ai créé un pour les composants standards et un pour les composants non standards. On va conserver les classes d'équivalence ici, les trois classes d'équivalence, plus l'assemblage de la presse. Donc, on passe à la classe d'équivalence 2. Dans cette classe d'équivalence 2, nous allons regarder quelles sont les pièces dont nous avons besoin. Nous allons avoir besoin de ces goupilles élastiques. Alors ces goupilles élastiques, elles ont quel repère? Donc les goupilles élastiques, elles sont là, ce sont des repères 24. Donc ce sont des goupilles élastiques de diamètre 2 par 16. Donc, comme d'habitude, on va aller insérer les goupilles élastiques 2 x 16. Alors j'en mets 2. Alors, pour l'assemblage de ces goupilles, on est dans une classe d'équivalence, on va pouvoir faire un fast nutmate, on va gagner du temps pour le montage. Et vous vous souvenez, on commence à être habitué, hein, quand on a des formes cylindriques comme ça, on peut choisir la partie milieu qui va nous permettre de monter la goupille bien centrée dans le trou. Alors attention, ici, le trou il est décomposé en deux parties, plus la partie centrale de l'axe. Donc il va falloir choisir la bonne zone. Donc pour cela, alors il y a deux solutions, soit on fait pencher le modèle et on va bien chercher, on bien zoomer, on va chercher la partie centrale, et là à ce moment-là on prend le deuxième point, c'est-à-dire le point milieu, ou alors on aurait pu aussi faire une coupe et ça aurait été plus facile pour faire la sélection. Donc je fais la même chose pour le deuxième, je choisis la partie centrale ici. Alors, s'il veut bien me le faire. Toc. Voici. Ensuite, je me positionne au-dessus du trou. Je zoome bien et je choisis le point milieu. Voilà, mes deux goupilles sont bien montées. Il n'y a pas de souci. On peut aller jeter un petit coup d'œil en faisant une coupe. Donc, je choisis un plan. Et là, je vais faire une sélection de la section coupée. Voilà, je coupe et je vois mes goupilles qui vont apparaître. Vous voyez, voilà. Donc ça c'est parfait. Pour quitter la fonction coupe, on va passer maintenant à la classe équivalence 3, notre dernière classe d'équivalence. Allons voir sur cette classe ce qu'il nous manque. Il va nous falloir donc une vis hexagonale creuse. Deux goupilles fondues et deux rondelles. Donc on va prendre d'abord la vis. Donc la vis, on est sur le porte-poinçon. C'est la vis qui se situe ici. Donc par correspondance de vue, on va retrouver la vis ici, repère 21. Donc il s'agit de la vis à bout plat M3-4. M3-4, je vais la chercher. Je la place. Alors ici, cette vis hexagonale creuse, il va falloir la centrer dans le tarodage. Donc on va utiliser la fonction pivot glissant. Alors même si ce n'est pas une pivot glissant, c'est une hélicoïdale, mais là on va commencer par la positionner dans le cylindre et ensuite on va venir faire toucher l'extrémité, donc le bout plat de la vis, on va le mettre tangent au poinçon. Alors on choisit donc le cylindre,
et ce cylindre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut ressortir un peu la vis. Alors, hop. Comme ceci. Alors, si elle ne veut pas bien sortir, ce qu'on peut faire, c'est bloquer le porte-poinçon. Comme ça, on peut bouger plus facilement la vis. Donc, je vais choisir non plus cylindrique, cylindrical, mais là, je vais prendre la fonction, enfin, la contrainte tangente mate. Tangente mate. Et je vais choisir donc le bout plat. Ça. Et je vais prendre le poinçon. Voilà. Donc là, la vis s'est bien mise. On peut le vérifier d'ailleurs, comme tout à l'heure, avec la section de vue. Alors, elle est bien mise. Si elle n'avait pas été bien mise, on aurait pu faire un flip de... Alors ça, c'est la flip de la tangente, mais là, comme j'ai coupé, on voit plus rien. Voilà. Si je fais un flip, la vis, elle va passer de l'autre côté. Alors, je vais recouper pour que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez là, par exemple, elle est tangente, mais du mauvais côté. On passe à travers la matière, donc il faut faire attention à ça. Là, je vais inverser. Je valide. Et j'enlève la coupe. Voilà. Là, on est bien. On va ajouter donc les goupilles fendues maintenant. Donc, ce sont les goupilles repères. Alors, ces goupilles sont désignées où? Elles sont là. Repère 19. Voilà. ISO 1234. Donc, insert. ISO 1234. J'en ai deux. Je passe la première et la deuxième. Alors, pour la mise en place des contraintes, on va faire à nouveau un face nut mate. On va prendre la face liée à ce point et on va prendre la partie haute du trou. Voilà. Alors, est-ce qu'il l'a fait correctement? Non. Donc, j'ai pas bien choisi ma goupille. Voilà. Donc là, il faut que je prenne ça et le point central. Voilà. Plutôt l'arête, c'est mieux. Donc ma goupille est montée. Alors ce que je peux faire là, ce qui va peut-être être intéressant, c'est peut-être de la faire pivoter. Alors, je reprends ici, je l'édite, et je vais la faire tourner de 90 degrés. Voilà. Alors pourquoi? Parce que sinon je risque d'avoir des problèmes de montage de ma rondelle. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais chercher Face Nut Mate, je prends l'arête, c'est mieux que le point. Donc ici est la partie centrale, c'est important. Et je prends le dessus du trou. Même chose, je fais pivoter ma goupille pour être bien montée. Voilà. Alors elles ne sont pas dans le même sens, mais c'est pas très très grave. Ah, ensuite, on va aller chercher les rondelles. Donc ce sont les rondelles repère 18 Z6. Donc rondelle Z6. Je positionne ma rondelle. Rondelle Z6. Je positionne la deuxième rondelle. Alors, pour positionner maintenant, pour monter, faire le montage des rondelles, on peut le faire maintenant. On va faire donc une cylindrical mate. On va faire une pivot glissant. Alors pourquoi? Parce que il faut la mettre centrée sur l'axe et il faut qu'elle vienne en appui sur la goupille. Donc on va donc déjà la centrer sur l'axe. Donc on peut faire comme ça. Je valide. Donc la rondelle va pouvoir bouger. Alors même chose, hein, le porte-poinçon, on peut le fixer dans la classe d'équivalence. Comme ça, ça permettra à nos éléments de bouger plus facilement. Deuxième contrainte qu'on va pouvoir mettre, c'est une tangente, par exemple.
Alors, la tangente, on va pouvoir la mettre entre la face qui est là. Et puis, on va essayer avec le point de la goupille. OK. Voilà, donc là, ma rondelle est bien placée. J'ai reproduit la même chose de l'autre côté. Donc, on a dit cylindrical mate. Je sélectionne le centre. Je valide. Et ensuite, je vais faire une tangente entre la face qui est ici et je prends le point qui est là. Voilà, c'est terminé pour cette classe d'équivalence. Donc, maintenant, on va revenir à l'assemblage. Alors là, je vois qu'il y a un petit problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On retrouve bien l'ensemble de nos composants, donc les écrous, les rondelles, les goupilles, on les retrouve bien. Il n'y a pas de souci, là, c'est bon aussi. Alors, c'est quoi cette FastMate? Il y a une contrainte qui avait été mise, qui a dû être mise ici, qui ne devrait pas l'être. Alors, on va l'enlever, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, donc je l'ai enlevé, je ne sais pas trop pourquoi elle était là. Donc on va poursuivre, on peut insérer maintenant les goupilles manquantes, donc les ISO 234. On va les mettre toutes les deux. Donc comme tout à l'heure, on a vu qu'il fallait donc créer une FastNoteMate. Donc on va sélectionner le centre hein, de l'arc et on va se positionner en partie supérieure du trou. Voilà, donc là on est bien orienté, il n'y a pas de souci. On va valider. On va faire la même chose pour l'autre goupille. Donc je prends la partie, oui, je sélectionne bien l'arc et je prends pas je prends bien le centre. Je pivote. Et je vais chercher la partie supérieure du trou. Et là, je peux faire une rotation de mon élément pour pouvoir laisser passer la rondelle. OK? Voilà. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter les rondelles. Donc ce sont des rondelles Z, je ne sais plus. On va regarder. Ça doit être les mêmes qu'en bas. Ça doit être des Z6. Hein. Oui, c'est ça. Z6 et Z6. Donc on va commencer par faire comme tout à l'heure une cylindrical mate, donc une pivot glissant. Je choisis donc la face, une des faces de la rondelle et la face de mon cylindre. Je valide et ensuite on va faire une tangente entre la face de ma rondelle et le point. Donc on voit qu'on a suffisamment de jeu de fonctionnement. Bon, j'aurais pu aussi mettre ma rondelle en appui contre l'arbre, contre le levier, la poignée. Alors pourquoi j'ai pas fait ça? Parce qu'on va voir que si j'avais fait ça, contrairement à certains logiciels comme SolidWorks, des contraintes peuvent suivre. Là, j'ai constaté qu'elles ne suivent pas forcément. Donc c'est mieux de le faire comme ça. Donc je vais prendre à nouveau une cylindrical mate. Et je prends l'axe, voilà. Je termine par la tangente, la face et le point. On valide. Donc on se retrouve ici avec les bras coudés qui sont hors classe d'équivalence, mais on considère que chaque bras peut être une classe d'équivalence. Les goupilles et les rondelles, normalement, doivent appartenir à la classe d'équivalence 1. Donc je peux les sélectionner. Vous voyez, j'ai fait une multiple sélection. Donc soit je les sélectionne un par un. Dans Shape, les sélections restent actives. Ou alors je fais une sélection, je maintiens la touche Shift enfoncée et je sélectionne le dernier élément. Le tout, je le glisse dans C20 et là, on va observer ce qui se passe. Voilà, donc là, ça s'est bien passé.
Les contraintes, vous avez vu, ont suivi, et les composants aussi. Si je cache le CE1, vous voyez, on retrouve bien le fonctionnement du mécanisme sans la classe d'équivalence 1 qui a complètement disparu. Donc là, tout semble être OK. Donc le fonctionnement a l'air d'être bon. Donc là, on a terminé notre assemblage de notre petite presse à levier. Alors, dernière petite chose que je voulais vous montrer, qui pourrait être intéressante, dans certains logiciels, on peut colorier directement les classes d'équivalence. Alors, j'ai pas trouvé le moyen dans Onshape de le faire, simplement. Donc peut-être que ça existe. En tout cas, pour colorier et changer l'aspect des pièces, il faut aller dans chaque pièce. Par exemple, si je veux changer la couleur du corps, il faut que j'aille dans le corps. Et je vais faire un clic droit sur le corps. Et je vais donc changer l'apparence du corps. Donc là, par exemple, je peux le mettre en marron. Voici. Et si je reviens sur... Alors je reviens parce que là je suis dans le dossier des composants non standards. Je reviens sur ici mon onglet presse à levier. Vous voyez, le corps a bien changé de couleur. Bon, voilà, pour information. Donc si je trouve une solution pour les classes d'équivalence directement, ce serait bien qu'il le fasse. Bah écoutez, je ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà, donc là c'est terminé. Je vais sans doute faire une prochaine vidéo qui va concerner donc la mise en plan ici, avec la gestion de la nomenclature. Voilà, c'est terminé.